La voici. Comment est-ce que ça s'est passé? Quelqu'un t'a vu? Non. Et comment est-ce que tu as fait? Olori n'était pas là? Tunde, commençons le processus. Le temps joue contre nous. Fayemi, il y a quelque chose que le Babalao m'a dit lorsqu'il m'a prôné cette procédure. Quoi? Le Kabiesi est supposé donner son consentement. Tu l'as déjà dit. Ce n'est pas pourquoi je suis allé chercher l'ardoise. Fayemi, si le Kabiesi ne donne pas son consentement et nous procédons comme ça, il y aura des conséquences. Quelles conséquences? À Djalonla, des conséquences graves. Et ça, c'est le seul moyen de savoir si ça a marché. Tunde, on n'a pas le temps. Faisons rapidement ce qu'on peut faire pour ramener en vie Kabiesi. Quand il est guéri, on n'a pas à s'inquiéter d'une quelconque conséquence. Commençons. Qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est au duro de Dieu? Qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est au duro de Dieu? Qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est au duro de Dieu? Qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est Ruduro Dede, qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est Ruduro Dede, qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Qui est Ruduro Dede, qui Kabiesi les Kodja, que le soleil s'arrête pour que Kabiesi puisse traverser. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché, Fayemi. Dieu merci. Merci. Fayemi. Kabiesi. Garde. Est-ce que tu as remarqué quelques changements? Non, Moba. Rien n'a changé. Va. Non. C'est ça qui explique pourquoi Kabiesi est toujours vivant. Qu'est-ce que cela pourrait être? Il n'y a qu'un seul moyen de savoir. Fayemi, toi, tu vas aller vérifier et moi, je vais rester un peu avec Kabi. Non. Toi, viens. Va vite, va voir ce qui se passe et viens nous rendre compte ici rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi s'agit-il? Oh, Moba, c'est Olori. Olori, qu'est-ce qui lui est arrivé? Parle! Ah,
Fayemi. Oui? Fayemi, tu sais quoi? Toi, vas-y. Prends en charge la situation et reviens à moi. Ouais. Fayemi, bouge, bouge, bouge. Vas-y, 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 vas-y. Fayemi, quelle est la situation? Suicide. Elle s'est pendue à l'arbre. Tu dis quoi? Egbodo. Ce que l'on ne doit pas apprendre. Oh Lori! Yeah! 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 Tu devrais aller les voir. Ta mère souffre. Non, non, non. Non, comment? Tunde. As-tu un problème avec ta mère? Non, je n'ai pas. Ça a l'air comme s'il y a un problème. C'est comme tu l'évites. Oh, c'est Bissi. Yami, Yami, laissez-nous seuls. J'ai dit, laissez-nous seuls. J'ai été instruit de ne pas m'éloigner des cabiers ici. Kabiesi. Kabiesi. Babami.
Je suis désolé. Je ne sais pas si tu peux m'entendre. Mais je suis vraiment désolé. J'essaie juste de sauver la famille royale d'une abomination sans fin. Maintenant, Olori est morte. C'est maintenant ma faute. Hein? Et ta condition est aussi de ma faute. Pardon. Baba, mais s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi. Si tu ne te réveilles pas, alors je vais me tuer aussi. S'il te plaît. Baba. Je pensais que je t'ai dit de laisser mon père et moi seuls. Que fais-tu ici? Omoba, avant qu'Olori ne meure, elle m'a demandé de découvrir qui a fait ceci au cabier ici. Je ne fais qu'accomplir mon devoir. Qu'est-ce que c'est? Tu essaies de te battre contre moi ou me tuer? Si vous tentez quoi que ce soit, je vous tuerai. Ton devoir est de me tuer? Ne bougez pas. Tunde. Va continuer ton devoir à l'autre côté. Tu étais obligé de le tuer? Le bienvenu. Vraiment? Écoute, Fayemi, nous avons déjà perdu un sang royal. Je ne peux pas te laisser rejoindre le nombre. Jusqu'à ce que Kabiesi regagne sa conscience et alors tu répondras à ton crime. Mais il mérite de mourir. Fayemi, il mérite de mourir. Il aurait exposé. Et ça, ce n'est pas sain. Surtout quand Kabiesi est toujours dans cette condition. Fayemi, écoute-moi. Je sais ce que tu ressens. Je le sais. Écoute, à l'heure où nous parlons, le Babalawo est en train de consulter les dieux. Il a de l'espoir. Le Kabiesi se portera bientôt bien. C'était la conséquence, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? La mort d'Olori. C'est la conséquence de la solution qu'on a préparée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je crois. Ah! Ayemio, je suis un maître. Je suis un maître. S'il te plaît, arrête de te comporter comme mon enfant. Arrête, s'il te plaît. Il y en aura plus, n'est-ce pas? Fayemi, il y aura plus. C'est pour ça que tu dois arrêter d'agir comme un enfant. Arrête de sangloter. Pensons à un moyen de ressusciter Kabiesi. C'est son palais ici. Il est encore vivant. Et il est le seul qui puisse renverser ses conséquences. S'il te plaît, Kabiesi, réveille-toi. Réveille-toi. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ça. Essayez de faire quelque chose. Les gens meurent. Je ne connais aucun moyen. À moins que nous éteignions le feu qui brûle sous le pot. Pour que le soleil se couche et Kabiesi meure. Non. Jamais. Pas moyen. Babami, jamais. Kabiesi. Où que tu sois, s'il te plaît, reviens. Je te supplie, Baba, je te supplie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Kabiesi. Kabiesi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, Kabiesi. Aide-nous. Beaucoup de choses ne vont pas bien, s'il te plaît, Kabiesi, réveille-toi. Fayemi, laisse Kabiesi tranquille. Viens m'aider à disposer ce corps avant que quelqu'un ne le découvre, s'il te plaît. J'arrive. Viens, Fayemi. J'arrive. Que dois-je faire? Viens par ici, tu sais, quelqu'un pourrait... Quoi?
Bissi. Bissi. Bissi, viens. Tunde. Ife Yami. Bissi. 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 Écoute, va prendre soin du cadavre qui est dans le palais. Vite. D'accord, d'accord. Bissi! 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 Où es-tu? Bissi! Où es-tu? Où es-tu? Bissi! Hé! Hey. Fayami! Oui? Qu'y a-t-il? Par où est-elle passée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je la poursuivais et soudainement, je ne l'ai plus vue. Elle a disparu. Fayami, Fayami, tu ne devrais qu'est-ce qu'il y a? Disparaître de ta vue. Je ne l'ai pas laissé quitter ma vue. Je dis, je la poursuivais et avant de savoir, elle a disparu. Fayami. Bissi. Ah. Où es-tu? Oh. Bissi. Fayami. Bissi! Fayami! Tunde, qu'est-ce qu'il y a? Fayami! Tunde, mais qu'est-ce qu'il y a? Bissi! Bissi! Ah! Non! 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 Ah! Non, ce n'est pas Bissi! Ah! 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 Je suis fini! Ah. Je suis fini! Hey, Bissi, pourquoi? 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 Bissi, pourquoi? Bissi, pourquoi? Pourquoi? Bissi. Bissi, pourquoi? 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 Bissi. Bissi. Je suis fini.
If I am me. If I am me, on ne sera enterré ta sœur. On ne peut pas l'enterrer jusqu'à ce que nous finissions la cérémonie des sacrifices pour notre justice. Le sacrifice sera fait en temps voulu. Et Bissi sera enterré. Je ne sais pas comment est-ce que ça sera possible. Parce que Babalao est très occupé avec le réveil de Kabi ici. Il n'arrivait même pas à m'écouter lorsque j'étais arrivée dans son sanctuaire. Ah, Olobao. Il faut aimer. Maman. Qu'allons-nous faire? Elle y restera pour du bon. Elle va aller s'endormir avec ses ancêtres. Ça suffit, non? Ouais. Ah, if I am me, if I am mommy. Ah, if I am mommy. Tu ne peux pas épouser ta sœur. C'est un tabou. À moins que le sacrifice soit offert. Tu risqueras de finir comme ton père. Ah. Maman, ça va. Ça va. Ça va, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça va. Yo, Tito, ça va. S'il te plaît. Au fumier. Laisse-moi. Il veut commettre la même erreur comme son père. Ah. Il faut aimer, Mimi. Oh mon là. Tiens. Bah. Maman, je te promets. Je te promets. Répète-le encore. Je te promets. Je te promets. Aussi. Je te promets. Ça va. Nous devons chercher la solution pour ces problèmes. Si Kabi essaie de retrouver sa vie, tout va très bien se passer. Hein? Ça va. C'est ça fini. Va. Ça va. Ça va aller. Hein? Ça ira. Tu as fait une promesse à ta mère. Je l'ai tué. Non, c'est pas toi. Qui l'a fait? Tu l'as fait? Elle mourut. Fayemi, elle est morte. Nous ne savons pas ce qui arrivera entre maintenant et le prochain futur. Fayemi, tu dois arrêter de te blâmer pour toutes choses et commencer par t'apprécier pour quelque chose. Pourquoi exactement? De Kabiesi, la vie de Kabiesi. Fayemi, c'est à cause de toi que Kabiesi est toujours en vie. Je l'ai mis dans cette condition. Et maintenant, tout le monde meurt.
T'as fait ce qui était juste, Fayemi. Tu essaies de nous sauver, moi et Bissi, de l'abomination. J'aime ça, tu sais. J'ai tant aimé ça. Tu n'aurais pas dû l'enterrer sans me le dire. J'aurais le faire moi-même. Je lui devais beaucoup. Et c'est maintenant que vous me le dites. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Rentrez dans vos postes. Yami. Ifayemi. Maman. Je veux parler avec toi. Me voici, maman. Qu'est-ce que tu as fait? Je vais bien. Non. Je demande... Qu'est-ce que tu y as fait? Hey, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que ces imbéciles t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ifayemi. Yami. Depuis que ton père est dans cette condition et le soleil autour du palais s'est arrêté, vas-tu dire quelque chose ou non? Ya, j'ai entendu le Babalao dire que si rien n'est fait avant que le soleil ne se couche, le Kabi ici va mourir. Et alors? Donc, j'ai fait ce que je dois faire pour sauver notre père. J'ai mis le feu à la potion. Mais c'est avec l'aide de Tondé. C'est pourquoi Kabi ici est toujours en vie. Regarde autour de toi. Ifayemi. Yami. C'est moi ta mère. Dans cette vie, je suis la seule personne qui peut te protéger, peu importe le crime que tu peux commettre. Tu es la raison de ma vie. Regarde-moi. Ifayemi, regarde-moi. Qu'est-ce que tu as fait à ton père? Yami, je n'ai rien fait. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à ton père? Mais tu cries. Mais s'il te plaît, calme-toi. Je n'ai rien fait. Ifayemi, arrête-toi là. Oh. Ah. Je t'y ai volé. Comment oses-tu me tourner le dos? Comment oses-tu? Yami, tu te contrôles. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Que je me calme? Que je me calme? Ifayemi, qu'est-ce que tu as fait à ton père? Qu'est-ce que tu as fait à Olori? Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? Réponds-moi! Yami, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Pourquoi tout le monde dit que tu en sais quelque chose? Pourquoi ils disent tous la même chose? Ifayemi,
Dis-moi ce que tu as fait pour que nous puissions arrêter cette bêtise. J'ai fait ce que je dois faire pour empêcher un désastre et une abomination sans fin dans ce palais. Je faisais tout ce que je pouvais pour tout régler. J'essayais. Toi? C'est vrai? Ça suffit. Arrête de pleurer. Où sont les autres filles? Oh, Moba, elles sont parties. Elles sont parties? Elles sont parties? Oh, Moba, je n'en sais pas trop, mais je crois qu'elles ont abandonné leur poste. Et qu'est-ce que ma mère a à dire à propos de ça? Rien. Oh, Moba. Rien. Et Maman Tondé? Lui non plus n'a rien dit. Des ennemis! Des ennemis! C'est ce que vous êtes tous. Agenouillez! Agenouillez tout de suite. Loin d'entre vous. Loin d'entre vous. Est devenue une malédiction dans ce palais. L'un d'entre vous est devenu une malédiction. L'un d'entre vous travaille sans relâche. L'un d'entre vous, ou vous tous, a dit à ma mère que je suis responsable de tout ce qui se passe. Qui d'entre vous fait des commérages à ma mère? Hein? Êtes-vous sourds? Je vais vous demander pour la dernière fois. Qui parmi vous, ces imbéciles, a parlé de mon sujet à ma mère? Parlez maintenant, afin de vous épargner de la suite. Parlez, Judith! Je les avais vus en train de parler avec ta mère en bas. Et il a rencontré tout ce qui s'est passé, inclus la mort du garde des Kabessi. Des traites! Je vais vous montrer ce que... Ah! 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 Boumi? 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 Concentre-toi. Prends contrôle de toi-même. Tu veux dire quelque chose? Vas-y, dis ça. Qui a fait des commérages à ma mère? Bébé, personne. Es-tu sûr? Thank you.
Yatunde. Yabisi. Kaso. Kaso. Je aussi. Kosi Koko. Que fais-tu dans le hut de Emma Aimé? Yabisi, assez c'est assez. On ne peut pas croiser nos bras et rester comme ça pendant que nous mourons l'un après l'autre. Et Kabiese est assis là-bas au palais. Ça fait des jours qu'il est bloqué là-bas. Je suis ici pour trouver la solution à ce problème. Chercher la solution à ce problème? Oui. Dans le hut de mon fils. Yabisi, nous allons fouiller partout, il faut fouiller. Écoute, si chercher apportera la solution, alors nous devons le faire. Laisse-moi chercher Ifa Aimé dans son hut. Comme ça, toi, tu vas aller chercher dans le hut de ton fils. Alors, s'ils viennent nous trouver ici. Ah, Nesh, il n'y a pas de problème. Écoute, Ifa Aimé est mon fils. Donc, je le comprends. Il n'y aura pas de problème avec ça. As-tu peur de Tundeni? C'est quoi ça? Je peux avoir peur de mon fils. Laisse-moi chercher ici. Toi, tu cherches là-bas. Ok, c'est bon. Yatunde, j'ai appris que Ifa Aimé a tué Bomi et les gardes parce qu'il le suspectait avoir discuté à son sujet avec moi. Yabisi, tous les servantes sont des nouvelles. Il n'y a que Bomi qui a traîné avec nous. C'est elle la plus ancienne de toutes. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un petit problème. Le grand problème, c'est que si seulement ils partent d'ici, ils vont commencer à aller dire partout les capacités de ABC. Et tu sais que si ABC meurt et que son incapacité est révélée, il va emporter avec lui plusieurs d'entre nous. Ça, c'est dangereux pour nous. Un très grand même, ma chère. Nous devons faire quelque chose. Yabisi, quelque chose comme quoi? Peut-être que nous devons utiliser l'ancien moyen de communication avec les ancêtres. Mais avant toute chose, nous devons trouver comment réveiller Kabiese. Puisque c'est seulement Kabiese qui peut faire arrêter les gars sur le mauvais chemin. Ben. Es-tu sûr? Je suis sûr. Nous ne saurons y arriver. Nous sommes incapables. Kabiese. Oluwashanuwao. Tu sais qu'elle a raison. Si ce n'est pas à cause de mon enfantillage, ils seraient tous encore en vie. Ifa Aimé, tu ne peux pas réparer le passé. Le sort en est jeté. Essayons toujours une solution.
Je suis fatigué. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit je suis fatigué. Fayemi, viens-tu de dire fatigué? Fayemi, tu es fatigué. Dis-moi, qui t'a dit que tu as le droit d'être fatigué, Fayemi? Oh, ok. Vraiment? Dis-moi, Fayemi, que ferais-tu? Oh, tu vas être une espèce de lâche comme ta sœur? S'il te plaît, ne me dis pas que tu fais le plan de prendre ta propre vie. Tunde, arrête cette bêtise. J'ai seulement dit que je suis fatigué. Je n'ai pas dit que je vais me suicider. Mieux. Et ma sœur n'est pas une lâche. En fait, quelque chose ne va pas bien. Dans ce palais. Je pense que on a dû libérer un esprit maléfique avec notre potion du soleil. Oui. Cela explique pourquoi tout le monde meurt par suicide. As-tu dit nous? Toi ou bien moi? Ok. Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement, Ifayemi? Dis-moi. Ce que je dis est ceci. Ta mère est en vie. La mienne aussi. Tunde, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les protéger. Il y a un esprit maléfique qui accompagne cette portion du soleil. C'est ce qui explique toutes ces morts dans ce palais. Fayemi, si je peux bien te comprendre, es-tu en train de dire que nous enlevions le pot du feu afin que Kabiesi meure? Est-ce que tu as une meilleure suggestion? Terre et de la rivière. Kabie ici. Aba Adoumari. Étant assis physiquement dans la communion des esprits, je suis Yabisi, ta troisième femme, avec Yatunde, ta deuxième femme. Nous t'appelons dans le monde des esprits. Ton séjour doit cesser. Retourne à ton trône et protège ton peuple. Je pense que nous devrions éteindre le feu.
et se diriger vers le sanctuaire de Babalao pour chercher son aide et voir ce qui pourrait être fait d'autre. Personne d'autre ne doit mourir. Fayemi, prions et espérons qu'en arrivant chez le Babalao, il ait une bonne nouvelle pour nous concernant la restauration de Kabiesi. Tunde, attends. Quelque chose se passe. Kabiesi! Babami, Kabiesi, dis quelque chose. Fayemi. Quoi? Le Kabiesi est toujours vivant. Oui, je peux remarquer cela, mais il ne parle pas. Toujours vivant, pour lui de se tenir debout, hein? Quelque chose a dû mal tourner, quelque chose a dû se passer. Non, quelque chose s'est bien passé, parce que voici un progrès. Ouais. Babami, Baba, Fayemi, Kabiesi. Fayemi, quoi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'essaie de voir s'il est du changement. Essayant d'enlever le sceptre de la main de Kabiesi. Hé hey, où? Comment oses-tu, Fayemi? Comment oses-tu? Ressaisis-toi, Fayemi. C'est un progrès. Babami. Fayemi, détends-toi. Détends-toi. Yabisi. Yabisi. C'est toi qui as bel et bien cette expérience. Mais tu ne me dis rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a quoi? Ah. Yabisi. Parle-moi. Ah ah. Ne peux-tu pas parler? Yabisi, tu es même en train de pleurer? Ah ah,
peux-tu pas parler? Hein? Dis-moi quelque chose. Tu peux pas parler? Igbamio! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause du tonnerre ou de la voix? Hey! Qu'est-ce que je vais faire ici, oh? Yabisi, attends, attends, je vais t'aider, hein? Attends, je vais t'aider. Ogom? Ah ah, qu'est-ce que c'est? Bumi, tu sembles très occupé avec ton travail et surtout avec tout ce qui arrive autour de toi. Je vais continuer à faire mon travail. Je n'irai nulle part. Je resterai dans cette hutte. Lequel? Non, dis-moi, lequel? Quand Kabiesi est incapable de se tenir, à quoi sert cette hutte? C'est le cas, malheureusement. D'où te vient tout ça? Ou tu comptes t'échapper toi aussi? Pas sans toi. Je vais continuer mon travail en tant que garde. Mais cette fois, je veux te garder, toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, d'où te vient tout ça? Oublie ça. Nous devrions nous enfuir. Mourimou était sans mi. Toi et moi, s'enfuir ensemble, tous les deux? Oui, bien sûr. Nous pouvons nous enfuir, ou mieux encore, juste marcher, vu qu'il n'y a pas de raison de s'enfuir. C'est comme si tu oublies qu'ils sont toujours à la tête du trône. Omobatunde est là. Omobafayami est aussi là. Alors, le trône n'est pas vacant. Bumi, n'est-ce pas évident que tu sois la prochaine personne à mourir? Ah! Et si tu restes ici, tu iras également les rejoindre. On ne s'est pas vu aujourd'hui. Je ne veux même pas croire ou imaginer que cette information pourrait être connue de tous. Je vais le faire de force. Bumi, si qui que ce soit apprend à propos de cette conversation, je le jure, je te couperai la tête et je jetterai ton corps dans la forêt maudite. Suis-je clair? Me suis-je fait comprendre? Oui. Bumi, écoute ce qu'il a dit. Tu as encore du temps. Je t'en prie. S'il te plaît. Arrête de rendre les choses difficiles pour toi. Pense-y très bien. Bumi? Bumi? Viens ici. Pourquoi tu l'appelles? Regarde son visage. Quelque chose ne va pas bien. Bumi? Amoba. Comment vas-tu? Dadami. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui va bien. Dis-moi, Bumi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, il n'y a rien. Tout va bien, Amoba. Bumi.
Bumi. Amoba. Je sais que tu es toujours dans le choc à cause des événements récents dans le palais. Tu n'as pas quitté. Tu vois, Fayemi et moi travaillons infatigablement pour assurer que la paix et le bonheur retournent dans ce palais. Et à la fin de tout ceci, seuls les ouvriers du palais qui resteront seront récompensés, ok? D'accord, Amoba. Et les autres servantes qui ont fui? Non, Amoba, je ne suis au courant de rien. Ok, je te verrai après. Merci. J'ai attendu. Mère, de quoi s'agit-il? Yatunde. Yatunde. Qu'avez-vous fait? Yatunde. Qu'avez-vous fait? Yatunde, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Yatunde. Hein? Dites-moi, Yatunde, qu'avez-vous fait? De quoi? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Dites-moi la vérité. Devais-tu tuer ta mère? Devais-tu la tuer? Dis-moi Yatunde. D'abord. Yatunde. De quoi parles-tu? Que s'est-il arrivé à ma mère? Yatunde. Mère. Est-ce que ma mère est morte? Maman Tunde. Est-ce que ma mère est morte? Yatunde, est-ce que ma mère est morte? Hein? Yami. 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 Ça va, mère, ça va. Plus parler. Hey. Elle n'arrive plus à parler. Hey. Yeah. 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 Ah. Yami. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah. Nous sommes perdus. Tunde, c'est fini. C'est fini. Yami, dit quelque chose. Tu peux parler. Dis quelque chose. Ya. Je pense que tu sais déjà. Mais je dois encore te dire ces choses. Je suis responsable de la condition de Kabiesi et toutes les calamités qui tombent sur ce palais. Yeah, je suis désolé. Je pensais que je faisais la bonne chose. J'essaie juste d'arrêter Bissi, de commettre de l'abomination au nom de l'amour. Ma bonne manière s'est retournée contre moi. Ya, je suis désolé. Yami, je suis désolé. Je suis désolé.
peu. Bomi. Bomi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas me laisser tranquille? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bomi. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi ton problème au juste? Enfouis-toi juste avec moi. Je ne te demande pas plus. Si tu restes ici, tu mourras. Que je parte avec toi? Si tu as besoin de t'enfuir, tu es libre, fais-le, rien ne t'empêche. Alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne connais même pas ton nom. Donc, je ne sais absolument rien de toi. Ok, d'accord. Mon nom est Dayo. Cet homme que tu vois là est très amoureux de toi. Ne comprends-tu pas? Dayo, ou peu importe comment on t'appelle, tel que tu me vois, je suis occupé. Yatunde m'attend au palais. Hé, mais arrête ça, non? Qu'est-ce que... Arrête ça, tu te fais très mal toi-même et je n'aime pas ça. Ok, d'accord. Si tu ne peux pas t'enfuir avec moi, laisse-moi moi te toucher. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, non. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Sur cette route où tout le monde peut passer pour aller au palais, un garde royal, tu ne trouves pas que tu t'es trop rabaissé? Calme-toi, ce n'est rien. On ne faisait que jouer. Hein? Bomi, viens. Est-ce qu'il t'a fait mal? T'en es sûr? D'accord. Va vite au palais. Mais attends. Rassure-toi que personne n'apprenne ceci. Sinon, moi, je vais te tuer. Cours vite!